7 novembre. Et là, c'est classique, mais nous avons un petit problème à bord, mais que nous sommes en train de résoudre. Et nous avons eu presque une tonne d'eau dans le bateau, et car il y a un tuyau de ballast au vent qui s'est ouvert. Et donc on a eu une partie entre deux cloisons envahie d'eau. Voilà. Et nous sommes en train de l'évacuer, de pomper. Donc ça va bien, mais on a vu que le bateau était bizarre, étrange, et à la barre et tout ça. C'est lourd sous le vent. Et on est venu contrôler et voilà, on a trouvé un peu plus d'eau qu'on voit maintenant. Là, je suis dans la... Ça, c'est une cloison étanche qui donne à la zone de vie. Et ici, on passe dans la suite à voile, qui n'est pas envahie d'eau. Donc, on a seulement la zone ici. C'est la zone du mât, de l'épontille du mât. Ça veut dire c'est le soutien du mât. Voilà. Ça, c'est en regardant vers l'arrière. Là, c'est la zone de vie. Mais nous sommes en sécurité car... Le niveau il est assez plus bas que cette cloison, donc en tout cas on aurait pu fermer et avoir accès par l'extérieur, par la partie haute de la soute à voile, mais il n'y a pas besoin. Donc on a eu environ, peut-être pas une tonne, mais plusieurs centaines de litres d'eau. Voilà. Là nous sommes en train de pomper. Avec une pompe de cale avec une crépine, voilà, qui est prévue pour. Bah là, ça se vide au vent, et il y a encore quelques centaines de litres, et après, c'est bon. On va reprendre notre vitesse. Allez, bon, bye bye.